A ver, ¿me oís? ¿En dónde?
Welcome, everybody. Sorry for the delay that we had. We just have some technical issues with one of the language channels, but we are ready to go. So, good morning to everybody. We just starting the final Congress of ALICE. My name is Jose Barquin. I'm one of the coordinators of this project, along with many other people that assist us in the Environmental Hydraulic Institute. And I'm just gonna start to introduce the Congress with a talk, trying to introduce the basis or the foundations of the ALICE project. The title of the talk was the initial title of ALICE, Towards a Better Management of Atlantic Landscapes, Developing Tools to Characterize Biodiversity and Ecosystem Services. So basically, I would like to start the foundations of ALICE by thinking on how many people lives today in the on Earth. We are far many people at the moment on this planet, and this is the only spaceship that we have to travel through the universe. So we should be taking into account really carefully this big problem, which is the increase in human population and the projections that we have for the next years to come. This is probably the main reason or the main effect or the main cause of the main drivers of global change, which is climate change and land use land cover change. These changes are actually causing a huge biodiversity crisis at the moment. If we compare the numbers of abundance of different populations on Earth from 1917 till now, we see that there is massive reductions on the abundance of many populations, and especially the freshwater habitats have been one of the most impacted ones. Moreover, to tackle the effects of global change, we need to quickly move from a static view of landscape and aquatic scapes to a more focused view on the conservation and restoration of functions in the landscape of multiple interconnected ecosystems. This means that we need to embrace a meta-ecosystem approach. Global change effects, whether it is climate change, whether it is pollution, whether it is land use, land cover change, affects to different levels of biological organization, from metapopulations, that this could be salmon populations, to metacommunities, this means the trophic structure of the biological communities, or even at the meta-ecosystem level, this means that interchange of organic matter, water, sediments, of organisms between or among ecosystems. Thus, we need to really move from an isolated point of view in which we just study one ecosystem and we are really experts of just one population or one type of community, to actually see how we can interlink all these processes, organisms, and functions throughout the landscape matrix. This means that we need to seriously rethink on how we are organizing, managing, and thinking on the systems that we are living on, if we want to actually make a difference in the future and start to change the policies and the trends on the biodiversity and the ecosystem services supplies that rest on them. Another issue that actually was a foundation for the ALICE project is that the need to start to work with a large quantity of data, with new way of data acquisition, data analysis and processes, and how all these could be used to generate different scenarios and modeling approaches to be able to generate new agreements and new procedures of decision making. And in this matter, we should think of how the participatory processes need to be embedded and need to at all levels of data management and decision making, so that we can construct a much more democratic society
that is actually more responsible or feel more responsible of the decisions that we take for the future. So all these issues were the main drivers that actually set the ALICE project. With this in mind, we set the following objectives. One was the development of a package of methods, tools, and procedures to assist local regional governments or interested parties in the design of blue and green infrastructure networks. The second one was the identification of solutions to overcome barriers that might limit investment in VGNs in each of the four case studies. And the third is the development of a stronger scientific, socioeconomic, and environmental policy support for the effective implementation of VGN. This means that the main hypothesis underpinning the whole ALICE project is that nature-based solutions implemented in a network-like design improve landscape biophysical structure and functions and increase the resilience of nature and societies to disturbance, whether they are natural or human-induced disturbances. So the ALICE partnership was formed by 10 different partners from 13 institutions, which concentrate their efforts in four case studies. The four case studies span from the southernmost Portugal to the northern island one, going through Cantabria and actually the Cowenon catchment in the Bretagne in northern France. ALICE had four major pillars. Four major, I will say, task forces or developments that we have to achieve. One of them was the modeling of ecosystem services provisioning and biodiversity trends. And we generate a list of them, and we generate a lot of different models or pick up models that were already existing and adapt them to be used in the four case studies, like, for example, water quality model for phosphates, nitrates, suspended solids, or freshwater biodiversity models resting on macroinvertebrate communities and ecological status of freshwaters. All these modeling approaches were actually merged into a platform I will tell later. We actually have another second pillar, which is the generation of scenarios, which is land use, land cover, and climate change scenarios as the main drivers of ecosystem service supply and biodiversity changes. We generated a climate change scenario, a land use, land cover scenario for each of the four case studies, and we use different management scenarios, which is the business as usual scenario. This means that we don't do anything special, we just extrapolate what we have been doing in the last 40 years to the future, and then an investment scenario on Beijing, what we call it the Beijing Utopia. Then we compile all the models and we integrate all the models in the K-Lab platform so that we could actually see how the different levels of ecosystem service supply or the structure of the landscape will influence also the biodiversity patterns. We run the models in the two different scenarios, and then we have a picture of what it could be done to improve ecosystem services supplies and biodiversity trends. Then we have another third pillar, which was the stakeholder engagement process, which we actually generate an ALICE stakeholder forum with a project core team and a stakeholder forum, and it had four different phases. The first workshop, the second workshop, the third workshop was run parallel in all the phases, in all the four case studies, and then we have the ALICE final congress, which is where we are at the moment, where we will present all the results from the different case studies and approaches. And finally, we had actually a fourth pillar, which was the review of barriers for the investment of on BGNs, and actually some exercises of the assessment of willingness to pay of people to actually implement some nature-based solutions in the case studies, so that we can have an idea of how those barriers in some cases could be alleviated or even completely surpassed.
We will see all examples all through the Congress in these 2 days of all these four pillars. And finally, the last pillar, which is quite important, I believe, it is the construction of potential BGs, or BGs utopia scenarios for all the case studies, in which we will have ecosystems to be restored, ecosystems to be conserved in a matter of landscape that can actually give us an idea of what the future landscape might be looking like if we want to actually adapt to climate change. Ce qui peut nous donner une idée de ce que pourrait être l'adaptation au changement. Et en dernier lieu, avant de vous laisser avec mes collègues et tous les partenaires d'ALICE et avec tout ce qui a été généré pendant ces années, nous voudrions donc remercier tous les partenaires et leur équipe pour de nous avoir accompagnés. Et je voudrais remercier l'Institut de Cantabrie, et je n'aurais pas pu travailler de la sorte sans leur collaboration, donc j'apprécie leurs efforts. Un grand merci de votre intérêt, et maintenant je vais vous laisser avec les autres intervenants. Speaker is Jacques Poudry. He comes from France, and he's going to talk about the. Am I supposed to do something? Yeah, we can hear. Nous avons le prochain intervenant. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler dans ce congrès. Et je vous passe la parole. Est-ce que l'on peut partager l'écran? Please, everybody else, just close your mics, and we will let Jack Baudry. Do you hear me? Donc, nous allons. Yes, we can. Yeah. Yeah. All good. Allez-y. You hear me? I go on. Okay. So first, thanks for the invitation. Donc, merci de m'avoir invité. And, Thomas and a few of you have asked me to talk about the French ecological policy. Vous m'avez demandé de parler de la politique de réseau écologique français. Il faut dire que ce qu'il faut faire, c'est viser la gestion durable. Donc, d'abord, voici la structure donc de ma présentation. Les caractéristiques du réseau écologique français, les espèces qui ont donc la capacité de se déplacer, et également je vais viser les réseaux écologiques au niveau local, c'est-à-dire à quelques kilomètres près. Les caractéristiques clés, c'est la politique de biodiversité ordinaire. Il est important également de définir les infrastructures de la trame verte et bleue. Et définir à différentes échelles au travers tous les paysages, c'est-à-dire essayer de prendre en compte tous les niveaux, c'est-à-dire que d'abord nous avons la région qui va définir des périmètres de sécurité, et après nous avons les communes, c'est-à-dire des niveaux plus faibles, et également établir les connexions, les liens entre les différents types d'habitats, c'est-à-dire les forêts, les pâturages, les cultures. La différence, c'est un mouvement à différentes échelles. Nous avons donc l'Espagne ici dans ce cas. Nous avons donc la biodiversité, les différents projets. Nous avons travaillé
sur la base de différentes espèces, mobilité d'espèces comme par exemple l'ours, mais également d'autres espèces à faible mobilité. Il est important de comparer différentes images et de pouvoir utiliser différents modèles, différentes échelles. Nous n'avons pas constaté beaucoup de différences entre les différentes images. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des images qui sont libres. Il y a de plus en plus d'images libres à notre portée. We mostly worked on so here is this much smaller area. Nous avons travaillé sur and we work on un and groupe de communes. And, so nous avons donc pris en compte les petites espèces, les papillons, et nous avons pu constater, bien sûr, que les espèces peuvent, peuvent traverser et se situer sur différents paysages. Donc, beaucoup d'espèces ont une capacité de dispersion très faible. Ces échelles agriculturelles sont très importantes et beaucoup d'éléments de paysage ont une structure complexe. Ceci donc demande la définition hautement spatiale pour caractériser les paysages. Donc, voici le premier point. Nous avons utilisé des cartes quantitatives pour intégrer des gradients locaux, car les cartes par catégorie recouvrent des modèles mosaïque avec de nouveau des espaces aveugles. Ici, vous avez les bois, les cultures, et tout est au même niveau. Tous les différents types ont une même métrique et il faut des différencier les différentes échelles biométriques, mais ceci n'est pas toujours possible, c'est-à-dire les changements entre la biodiversité et les paysages ne sont pas toujours représentés. Ici, nous avons deux exemples. Un exemple, ce sont différents sites, ce sont le maïs, les cultures changent, et nous le savons, pendant toute l'année, et ceci offre différentes couvertures, et cela va changer d'une saison à l'autre. Nous avons ici les images qui montrent la différence entre le maïs, le blé, le seigle, et ceci peut s'analyser en utilisant ces images de Sentinel. Et nous pouvons cartographier des changements et voir comment ceci va avoir un impact sur la perméabilité des paysages. Nous avons un exemple à travers d'images par radar. Nous avons ici les limites et l'hétérogénéité interne. Ceci nous permet de voir les différents mouvements des haies, le déplacement de certaines haies. Il ne faut pas oublier que nous utilisons ce type de cartographie afin de pouvoir le définir à des niveaux de pixels. Donc, ici, les haies n'ont pas d'importance, quoique ceci pourrait présenter des problèmes. Nous avons ici beaucoup de haies. Ces haies sont des éléments assez complexes car il y a une structure linéaire d'arbres, des habitats, des corridors qui protègent certaines espèces. Cela peut être des barrières également pour le passage. Et il y a
des structures linéaires en bas qui ne sont pas représentées. Nous devons rajouter cette couche d'herbe afin d'intégrer la fonction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement nous limiter à la carte, mais il faut rajouter des caractéristiques que nous souhaitons observer. Il y a d'importantes couches à prendre en compte et de nombreuses échelles. Il y a donc sur chaque habitat différentes échelles. Il y a différents insectes, différentes espèces, et nous allons nous pencher sur les paysages. Nous avons donc le paysage A et C, par exemple, et nous avons donc différents types d'insectes, c'est-à-dire non seulement nous avons des structures où il y a des haies, mais il y a également le paysage A avec des petits lopins de terre et beaucoup d'interactions entre les différentes haies. Par exemple, il y a des espèces qui ne sont pas du tout présentes dans le paysage C. Ceci veut dire que quand nous analysons le paysage, il nous faut intégrer la structure des paysages. Nous avons donc des cartes avec le paysage. Nous avons également le grain du paysage, non seulement la taille, mais également la forme. C'est-à-dire, si nous prenons un rectangle, quand c'est rectangulaire et étroit, nous aurons beaucoup d'interactions, des interactions climatiques, et nous aurons des caractéristiques proches à la forêt. Ici, nous avons plus ou moins la même chose. Quand nous nous branchons sur ces deux espèces sur la droite, là est très présente dans des paysages plus fermés avec des haies, et l'autre est plus présente dans des paysages plus ouverts. Nous avons différents écosystèmes et différents services écosystémiques. Bien sûr, il faut intégrer la perméabilité dans les deux échelles pour définir les réseaux écologiques. Ici, nous avons la structure des haies. Nous avons donc des frictions entre les cartes et nous avons également la adaptabilité à l'habitat. Et cette adaptation à l'habitat, nous avons donc différentes structures, que ce soit des structures avec les haies. Et ceci est très important pour la planification. C'est quelque chose qui est donc bien compris par les professionnels. Voici donc les enseignements que nous pouvons tirer. Il faut d'abord bien choisir les cartes. Nous avons beaucoup de cartes qui ne sont pas très près du terrain, donc il faut bien choisir. Et il faut bien également choisir les modélisations pour voir la capacité de mouvement des espèces. Certaines cartes le montrent mieux que d'autres. Il ne faut pas oublier là également que les modèles ne sont pas toujours ne doivent pas être toujours considérés comme des outils parfaits. Ce sont des outils qui nous permettront de discuter entre professionnels, et toutes les espèces également ont des caractéristiques, et il faut faire que votre science également soit applicable. Les modèles doivent être consensués avec les professionnels pour mieux travailler. Merci de votre attention.
1, 2, 1, 2. Merci beaucoup, Jacques, pour cette conférence si intéressante. Nous allons passer au suivant. Thomas Huet, c'est un des partenaires du projet du CNRS. Il a travaillé avec LULS, le scénario et la caractérisation. Thomas, c'est à vous. Thomas, vous pouvez commencer. Vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci de me donner la parole. Normalement, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Okay, so I understand that there is a something like 20 to 30 delay between when il y a un retard entre ma parole. Il y a une désynchronisation de ma parole. Oui, vous m'entendez? Très bien. Je voudrais vous présenter quelque chose dont mon collègue a déjà parlé sur la philosophie de ce projet. Je vais me centrer sur la simulation des changements LULC. Lorsque on est des gestionnaires de l'eau ou du paysage, nous avons deux défis principaux. D'abord, anticiper et faire le downscaling du changement climatique. On ne sait pas ce qui se passe et ce qui se passera à l'avenir. Et deuxièmement, concevoir les politiques d'aménagement du territoire pour améliorer la durabilité du sol. Il faut savoir comment procéder. En considérant le changement climatique et les différents scénarios, il faut connaître des données sur l'avenir en profondeur pour pouvoir anticiper ces changements. Par exemple, sans ces scénarios de changement climatique, il y a un accord général sur l'augmentation de la température. Nous avons différents scénarios, mais sans les scénarios, cet accord ne pourrait pas exister. Les décisions sont plus durables lorsqu'on considère les changements futurs possibles. Il faut imaginer des scénarios d'avenir et pour pouvoir planifier en arrière. Et comme Jacques a dit, la politique BEGIN ou TVB a commencé dans les années 2010. Elle a été encouragée par l'Union européenne depuis 2011. Selon les pays, la définition n'est pas très claire. Il y a différentes traductions et différentes mises en œuvre au niveau national et régional. Il y a des questions environnementales en tant qu'usage du sol. Il faut définir les corridors dans les PCR
SRCE, c'est obligatoire au niveau régional. Définir et expliquer quels sont les corridors buffers, tampons. Il y a des groupes de municipalités qui doivent concevoir et mettre à échelle ces begins régionaux dans leur politique de gestion du sol. Ceci est clé pour le territoire, parce qu'il faut traduire les termes français. Sur la base du fait que l'Espagne, le Portugal et l'Irlande du Nord, au début du projet, ont participé, nous avons en fait choisi deux stratégies différentes. La première, c'est explorer le business as usual. Excusez-moi, mais le son n'est pas bon. Évaluer les opportunités de politique begin. Mais en France, l'idée, c'était différent. Évaluer l'efficacité des politiques begin par rapport au land use and land cover, l'usage du sol et la couverture terrestre, LULC. Alors, pour toutes les études de cas, nous avons construit des scénarios assez semblables. Identifier les tendances passées. Et grâce au travail participatif, nous avons vu quels sont les éléments du begin, c'est-à-dire TVB. Nous avons utilisé ces scénarios comme des paramètres pour définir des modélisations. Dans le projet Alice, nous avons développé des modèles LULS, LC, pour être capable de simuler ces changements. Et nous sommes revenus vers les parties prenantes. Excusez-moi, mais le son n'est pas bon pour la traduction. Afin d'alimenter et proposer des éléments et des données pour évaluer l'impact de ces différents scénarios, revenir vers les parties prenantes à nouveau et partager cette connaissance sur les avantages ou les limitations de ces begins ou trames vertes et bleues. Lorsque je me concentre sur ce qui a été fait à Alice pour le LULS, nous avons développé le FORCEM, le Forecasting Landscape Scenarios Model, modèle de scénario de paysage et prévision. Et l'intérêt principal de ce modèle, c'est simuler les changements LULC en préservant les modèles terrestres, en préservant toute la géométrie d'éléments unitaires des parcelles, ou les unités élémentaires en parcelles. C'est des modèles basés sur des pixels. C'est parfois un peu compliqué. L'intérêt, c'est de simuler aussi le business as usual, les scénarios contrastés. Il y a eu un gros effort qui a été fait pour faire ça. Nous avons développé la simulation des scénarios. C'est comme tous les modèles conventionnels de calibration, nous avons deux cartes différentes, de deux années différentes pour calibrer le modèle. Par exemple, demande de sol, les tendances, carte d'adaptabilité, d'adaptabilité, et nous avons analysé les zones exclues et les zones réglementées. La situation actuelle, sur la base de ces données, nous sommes capables de faire un scénario business as usual. Dans la deuxième étape, nous avons un cadre participatif avec pour voir ce qui va se passer à l'avenir dans le modèle LUCC. Changement des tendances, urbanisation, usage agricole, ce qui pourrait modifier les cartes d'adaptabilité et inclure
de nouvelles réglementations à l'avenir, il faut considérer une politique BEGIN ou des politiques modifiées BEGINs. Aussi des plans d'aménagement du territoire. Un des intérêts, c'est considérer l'interaction entre les changements d'usage du sol et les changements de couverture du sol. Ce qui veut dire qu'avec le temps, l'agriculture se réduit, les prairies sont abandonnées, ça devient des lieux couverts de buissons, et ça devient une forêt. L'abandon des terres cultivées implique un abandon de l'échelle. De façon inverse, on peut considérer de nouveaux projets de gestion du sol, par exemple la sylviculture, la plantation d'arbres. Par exemple, en 2028, dans ces zones définies en rouge, plantation d'arbres, nous voyons une exploitation agricole avant ce projet de sylviculture. Il y a eu des changements agricoles entre le maïs, la prairie et le blé. Et en 2028, on a un massif forestier qui est créé dans toutes ces zones anciennement agricoles, et au bout de 10 ans, selon le modèle, les buissons sont remplacés par une forêt. Il faut donc une bonne dizaine d'années. Nous avons des nouvelles couvertures du sol au bout de quelques années. Quels sont les types de résultats que l'on peut attendre à partir de ce modèle? Nous avons un exemple du cas français et du cas espagnol. Dans les deux cas, nous voyons une augmentation de l'abandon de la terre cultivée et la croissance des forêts dans les zones montagneuses. Ici, le scénario BEGIN en Espagne et en France, c'est le business as usual. Il y a plus de changements dans le paysage côté français. Il y a beaucoup de changements. En même temps, nous voyons que ces changements sont très subtils parfois. Quelles sont les utilisations de ces cartes? Quels sont les résultats? Alors, les cartes LUCC, à partir de 2018, peut-être on le verra tard ce matin, on voit l'analyse de la connectivité des paysages. Ceci peut être utilisé pour comparer le gain et la perte des habitats dans les paysages, par exemple, à partir de 2018, et évaluer, par exemple, si les prairies permanentes, les pâturages ont disparu, et quels sont les changements du sol industriel et agricole. Grâce à cette évaluation, basée sur différentes approches de modélisation, nous pouvons évaluer les services écosystémiques pour voir comment sera l'évolution. Pour résumer, la philosophie ALICE et les modélisations LUCC, depuis le début, quand on a commencé, les professionnels avaient des idées différentes et des objectifs différents. Il y avait une grande divergence des objectifs dans cette situation. En explorant l'avenir, en analysant l'impact de ces LUCC et de l'influence du changement climatique, on a été
on a pris une conscience au niveau des gestionnaires du sol pour savoir quels sont les problèmes principaux pour l'avenir selon les scénarios, qu'est-ce que l'on devrait éviter, qu'est-ce qui pourrait sortir à l'avenir. Il faut... il y a de l'incertitude, une connaissance partagée. Il faut opter pour un compromis, une décision intermédiaire. Dans les différents plans de l'aménagement du territoire, selon les scénarios, et ceci peut conduire à une définition des TVB efficientes, c'est-à-dire les begins. Pour résumer, il y a pas mal d'incertitudes au début, une augmentation des connaissances partagées afin d'avoir une décision finale, afin d'obtenir un plan de gestion du territoire plus efficace. Merci beaucoup et passez une très bonne journée dans le projet ALICE. Merci. Merci. Merci donc de votre présentation. Maintenant, je voudrais vous présenter. Je voudrais donc que vous preniez note des questions et après, nous pourrons lancer les questions au travers du chat. Et nous avons également prévu une table ronde à la fin de la matinée pour que vous puissiez poser vos questions. Merci, Thomas. Après, nous avons José Manuel, qui a participé à tous les stades du projet, donc des parties les plus insignifiantes aux plus importantes, c'est-à-dire la coordination. Donc, je voudrais lui passer la parole. Allez-y. Merci, Pepe, de votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous présenter un thème qui est à mi-chemin entre les patrons de paysages et les processus écologiques, c'est-à-dire les modèles sont à une protection pour les biodiversités, pour la biodiversité et les paysages. Dans le contexte du projet ALICE, nous avons évidemment besoin de données spatiales. Thomas nous a dit que nous avons déplacé des éléments du paysage du passé vers l'actualité. Tout ceci a été fait pour les différents états des cas d'études. Pour revenir au cas espagnol, nous avons différents gradients, et nous pouvons constater que le paysage change au fil du temps, et nous avons pu simuler ces scénarios, et nous pouvons voir un changement notable dans les modèles de paysage. Nous avons donc la sylviculture dans les montagnes, les plaines, et tout ceci va changer, et va changer également nos services écosystémiques. Donc, nous avons des changements du haut, c'est-à-dire du sommet des montagnes vers le bas. Nous avons différents modèles de végétation qui vont faire partie de ces éléments du paysage. En analysant ceci, nous avons utilisé des approches comme la cartographie végétale. Nous avons besoin de données sur le terrain. Et tout ceci nous a permis de mieux appréhender les modèles de biodiversité et les dynamiques de ces paysages qui évoluent au cours du temps. Afin de faire ceci, nous avons besoin de quatre informations essentielles. Il faut d'abord avoir un système de classement
pour pouvoir mieux prédire l'évolution. C'est-à-dire, nous avons besoin de certains systèmes de classement de la végétation, ce qui nous permet de compiler des informations avec des experts et établir des typologies de classification. Nous avons également besoin de certaines données de couches de prédiction. Également, nous avons besoin de la modélisation écologique pour essayer de mieux établir nos prévisions. Dans le contexte de ALICE, nous avons utilisé le système de classification UNIS. Nous avons réalisé des études aux côtés de botanistes, ce qui nous a permis de voir tous les cas d'études et nous avons compilé les différents types d'habitats de c'est UNIS, ça c'est le cas d'étude espagnol. Pendant les 3-4 dernières années, nous avons travaillé sur le genre et nous avons déjà compilé beaucoup d'informations sur la typologie UNIS. Donc, cette information qui est collectée sur le terrain aux côtés d'éléments de prédiction, nous avons des facteurs environnementaux, la topographie, les propriétés du sol. Nous avons également des données de télédétection. Nous avons des satellites, des images satellites, ce qui nous permet d'aller vers la moitié des années 80. Nous avons également des images à haute résolution qui nous permettent d'avoir une meilleure vue sur la résolution spatiale. Et nous pouvons également accroître la résolution spectrale. Nous avons beaucoup d'informations, nous avons différentes couches. Ces informations sont combinées en utilisant différents algorithmes. Ici, dans le contexte ALICE, nous avons utilisé la capacité spatiale, deep learning, etc. pour mieux avoir de prédictions. Quelles sont les cartes que nous obtenons avec cette modélisation de l'habitat? Quand nous évoquons les espèces ou la modélisation de la distribution d'habitat, nous utilisons des facteurs environnementaux et nous avons d'éventuelles distributions de la végétation. Avec la télédétection, ceci nous permet d'avoir une traduction des données dans la distribution et dans une distribution potentielle, c'est-à-dire ce que nous appelons la distribution de domaine de distribution de modèle. Nous avons également une distribution potentielle et quand nous utilisons la télédétection, nous créons la distribution réelle. Voyons voir les cartes que nous avons. Nous allons réduire l'espace analysé. Quand nous avons la télédétection, nous allons cerner le domaine, c'est-à-dire la distribution de types de végétation dans différents statuts écologiques, c'est-à-dire que nous avons l'image complète de la distribution végétale. Et quand nous combinons différents habitats, nous avons différents domaines et les habitats qui prévaut. Nous allons mélanger les facteurs environnementaux, la télédétection, la distribution de multiples habitats, et ainsi nous aboutissons à quelque chose de fiable qui nous permet de mieux apprécier la distribution végétale au sol. Voici une carte qui résulte de notre étude, une autre carte que nous obtenons avec un type de forêt. Et quand nous additionnons ces différentes couches, nous avons cette distribution fiable de la végétation. Quand nous ajoutons les différentes cartes, nous aboutissons à ce type de carte de végétation. À ce moment-là, nous passons à la distribution de la biodiversité dans notre domaine d'étude. Nous pouvons effectuer ce type d'analyse, c'est-à-dire nous avons différentes végétations qui se caractérisent au travers d'un groupe d'habitats ou de patrons de biodiversité que nous obtenons grâce à ces cartes. Ces cartes doivent être validées. Nous avons nos données collectées sur le site, la télédétection, mais après, il faut valider le tout. Avec ce type de validation, nous constatons quels sont les modèles acceptables et analysés lors d'analyses ultérieures. Et nous savons parfaitement le type de carte
qui ont besoin de plus de données et qui doivent améliorer la résolution des éléments de prédiction au travers de meilleures simulations. Avec ces informations, nous pouvons donc voir quelles sont les cartes pouvant être utilisées et quelles sont les cartes pouvant être améliorées en travaillant sur le site et avec plus d'informations des éléments de prédiction. Tout ceci a été fait de la sorte pour les différentes études de cas. Pour chaque étude de cas, nous avons rédigé un rapport où nous détaillons la méthodologie et les différents habitats se caractérisent au travers d'une couleur, différentes couleurs que vous voyez à l'écran, vert, jaune et rouge, et nous définissons la fiabilité de chaque carte. Nous avons donc retenu que les habitats avec le plus grande exactitude de données. Et en combinant les différentes cartes, voici les patrons de chaque étude de cas. La grande majorité des cartes étaient acceptables. Et les patrons spatiaux sont acceptables. Toutes ces cartes ont été combinées avec les informations montrées par Thomas. Ce que nous prétendions, ce n'était pas uniquement cartographier la distribution végétale, mais également inclure les modèles de biodiversité en combinaison avec la dynamique de couverture de territoire. Pour chaque étude de cas, nous avons combiné les différentes approches statistiques, les analyses ordinaires pour essayer de montrer que les dynamiques ont un lien avec les patrons. Voici donc un exemple nous a montré Thomas. Nous avons la couverture du territoire, les dynamiques. Nous avons également la distribution future du territoire dans différents scénarios. Et nous avons également la distribution actuelle des types d'habitats. Donc, pour la légende a été expliquée par Thomas. Nous avons des forêts, pâturages, etc. Et après, nous avons les unités qui résultent de tout cela. Nous pouvons donc inclure ces changements et les combiner avec la couverture végétale et la distribution d'habitat. Voici en détail un espace de forêt. Nous avons la couverture du territoire, la couverture future. Vous pouvez voir les mouvements dans les cultures, les forêts. Et nous avons également la distribution de la végétation, c'est-à-dire la distribution de la biodiversité. Ceci se fait au niveau des pixels. Si nous essayons d'établir une relation avec ce que a mentionné Jacques, nous avons la variabilité interne de différentes parcelles. Nous n'avons pas les types dominants, mais nous avons par contre la variabilité de la végétation. Avec ce type d'information, nous pouvons mieux apprécier les différentes parcelles et la variabilité interne de ces espaces. Et nous pouvons donc évaluer les relations. Un autre exemple, pour clore ma présentation, de l'étude de cas de l'Irlande du Nord. Nous avons ici la couverture du territoire. Et ici, nous avons la simulation que nous avons réalisée. Vous pouvez voir qu'il y a une évolution des arbustes et vous pouvez voir ici la prévision de la simulation et la distribution de la forêt dans ce site. Lorsque nous modélisons la biodiversité, nous identifions, nous avons une différenciation des différents modèles. Donc, la biodiversité est prise en compte dans la dynamique des paysages, c'est-à-dire dans la future dynamique ou mouvement de ces paysages. Voici
Notre objectif, nous souhaitions mieux comprendre l'évolution du paysage et prendre en compte les différents gradients et comprendre l'évolution des pâturages, des forêts plus jeunes et plus anciennes. Ceci va modifier les modèles à venir. Par exemple, il peut y avoir donc des arbres, des zones avec des arbustes qui se transforment en pâturage et mieux comprendre l'évolution de ces patrons. Et à la fin, ceci a un effet sur le fonctionnement de paysage. L'évolution du paysage sera abordée par mon collègue plus tard et nous souhaitons mieux comprendre comment la biodiversité du paysage est en lien avec les patrons afin de pouvoir mieux comprendre l'évolution de nos paysages au travers l'étude de Alice. Merci de votre attention. Merci, José, pour cet intéressant exposé. Nous allons passer au suivant de Sandrine. Mais avant de commencer, si vous êtes chez vous ou dans votre bureau, je voudrais vous dire que nous avons plus de 150 personnes connectés. Nous ne sommes pas seuls, c'est très bien d'avoir autant de participants. J'aimerais partager ce chiffre avec vous. Sandrine, même si tu es seule dans ton bureau, nous allons t'écouter. C'est l'Université de Rennes 1. Elle va nous parler de l'effet de la structure du paysage sur la biodiversité et la productivité. C'est à toi, Sandrine. Merci, José. Merci pour la pression que tu as mise sur mes épaules. Je vais vous présenter mon travail, le travail que nous avons réalisé avec Audernou et Lucille Coq, avec la collaboration du CNRS sur l'effet de la structure des paysages sur la diversité et la productivité, aussi avec l'Université Rennes 1, UMR Ecobio. Nous avons commencé ce travail parce que dans le projet Alice, nous voulions analyser les changements dans les paysages et les services écosystémiques, d'abord par la conservation, en évaluant ces modèles. Nous voulions analyser ces scénarios qui seraient utiles pour les gestionnaires. Un des proxys, c'est les types d'habitats qui ont été développés depuis la directive Natura 2000 pour évaluer les intérêts écologiques en termes de la biodiversité des territoires. Les habitats sont basés sur les concepts de biotopes pour une combinaison de conditions biotypiques. Nous avons une communauté de plantes dont selon les habitats, nous avons différents assemblages d'espèces. Et nous savons que la biodiversité résulte de facteurs locaux, les caractéristiques abiotiques, mais aussi ça résulte de facteurs qui fonctionnent au niveau de l'échelle plus large, la structure du paysage. Et dans le cadre de Alice, on souhaitait analyser comment ces structures de paysage
que nous simulons dans les scénarios, comme a dit Thomas tout à l'heure, comment est-ce que cela peut affecter la biodiversité? La structure de paysage se décompose en deux composants différents. D'abord, l'hétérogénéité du paysage, qui inclut la composition et la configuration des éléments du paysage, qui constituent la mosaïque du paysage. La composition est liée au nombre et le type d'usage du paysage, et la configuration est liée avec les arrangements spatiaux des éléments du paysage. Et en deuxième lieu, nous avons les quantités d'habitat. Nous avons étudié un habitat focus qui correspond à la quantité d'habitat disponible pour la biodiversité. Ces deux composants, l'hétérogénéité et la quantité d'habitat, mettent en route des processus écologiques qui permettent la coexistence des espèces, par exemple, les niches disponibles pour l'établissement des espèces, complémentarisation des espèces et la coexistence des espèces. Nous nous demandons si les habitats qui sont de bons proxys pour la biodiversité, car ils représentent la biodiversité potentielle, et selon un type de habitat, est-ce que cela correspond à des assemblages d'espèces? Nous avons aussi le besoin d'ajouter le mapping de habitats qui ne vont pas loin dans la résolution, mais nous pouvons avoir ces cartes, comme a dit José. Nous voulions voir si ce mapping de habitat nous apporte une variabilité de biodiversité en fonction des paramètres non locaux, avec une réelle biodiversité. Quelles sont les tendances, les modèles? En étudiant cette relation, nous nous sommes concentrés sur le cas français. Nous avons pris deux exemples, les pâturages permanents et les habitats de haies, ce écosystème est un habitat typique de la France. C'est important pour évaluer la biodiversité dans un territoire. Pour analyser l'effet de la structure de paysage sur la diversité des espèces dans ces deux écosystèmes, nous avons créé un design expérimental avec 30 sites carrés d'un kilomètre carré. Et dans chaque site, nous avons sélectionné 5 pâturages et 5 lignes de haies avec des évaluations de flore pour voir comment ça se distribue le long de ce bassin versant. Ça correspond à différentes situations de paysage dans cette zone. Ces sites ont été sélectionnés pour montrer des valeurs différentes avec différents gradients d'hétérogénéité en fonction de la composition de la configuration. Par exemple, nous avons des paysages avec plus ou moins de prairies et de pâturages et d'autres paysages avec plus ou moins de parcelles de tailles différentes. Nous avons différentes combinaisons de ces gradients. Nous avons sélectionné aussi ces paysages en fonction de leur valeur en quantité d'habitat pour les lignes de haies et les pâturages. Voilà les gradients corrélés. Nous avons toutes les combinaisons de ces quatre gradients et des situations de paysage très différentes. Ce que nous avons démontré, c'est surtout avec la thèse de Lucie Lecoq, c'est que dans le même type d'habitat, nous avons une grande variété de types de communautés de biodiversité. Il y a des différences, bien sûr, entre les pâturages et les haies. Malgré cette richesse de variation dans les structures de paysage, cela suggère que dans un habitat donné, nous avons une diversité donnée. Et nous avons d'autres facteurs et des conditions importantes qui font qu'il y ait plus ou moins de richesse d'espèces. Ce sont des facteurs liés à la gestion des habitats et
et on ne les prend suffisamment en compte dans cette typologie. Cependant, le point intéressant, c'est que si nous évaluons la biodiversité avec des métriques basées sur la diversité fonctionnelle, ce qui veut dire que nous reconsidérons l'apparition des espèces, mais les caractéristiques biologiques sous forme de traits caractéristiques, nous avons démontré une relation significative entre la structure du paysage et la diversité fonctionnelle. Par exemple, comme vous voyez ici, une richesse fonctionnelle se réduit au niveau des communautés de prairies ou de pâturage. Et si nous avons beaucoup de pâturage, la communauté de plantes que nous pouvons enregistrer sur le terrain converge vers une structure de plantes particulière. Si la richesse d'espèces ne dépend pas de ce paramètre. Cette relation significative apparaît aussi dans les lignes de haies, dans les rangs de haies, un effet de la quantité de haies et l'hétérogénéité de la configuration de la diversité fonctionnelle et une richesse qui augmente avec la densité du réseau de haies dans le paysage. Alors qu'il y a une augmentation de l'hétérogénéité des paysages en termes de configuration, induit une réduction de l'uniformité et une plus grande dissimilarité. Donc, un fort effet du paysage, mais surtout dans la diversité fonctionnelle des haies. Nous savons que la diversité fonctionnelle est corrélée avec le fonctionnement écologique de l'écosystème. Et pour analyser l'effet des paramètres du paysage et de la diversité fonctionnelle des communautés, pour savoir s'il y a un effet sur les fonctions écologiques, nous pouvons tirer la relation directe qui existe entre le fonctionnement écosystémique et le paysage. Nous nous sommes concentrés sur une fonction simple à mesurer, la productivité de l'herbage. Dans les prairies, dans les pâturages, nous avons évalué la productivité en utilisant la télédétection et l'index NDVI, ce qui peut être calculé à partir d'une approche de télédétection sur la base des longueurs d'onde infrarouges. Les processus ici peuvent être mesurés selon l'index. C'est très, très intéressant. À droite, vous avez deux processus différents qui diffèrent dans leurs paramètres NDVI. En août, c'est la productivité maximale en Bretagne, dans ces différents écosystèmes, pour ce qui concerne le pâturage et les herbacées. Et la productivité est un exemple ici. Et nous avons utilisé cette analyse pour voir les variables du paysage liées à la productivité dans les pâturages. Nous avons vu un lien entre la structure du paysage et la productivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons trouvé des liens indirects entre la structure du paysage et la productivité, mais à travers les changements de la diversité fonctionnelle, nous avons découvert dans la communauté, il y a des liens indirects. Il y a deux résultats principaux que nous avons trouvés, deux constats. C'est intéressant à remarquer ici. D'abord, que la proportion de prairies dans le paysage affecte la diversité fonctionnelle. Ça réduit la diversité fonctionnelle quand on a beaucoup de pâturage. Et ce changement réduit la déviation standard, c'est-à-dire la productivité des pâturages dans l'espace. Les productivités qui se stabilisent dans le temps parce qu'il y a une proportion X de ces herbes dans le paysage. Et pour les haies, on a une bonne relation avec l'effet positif de la densité de haies dans la productivité à travers un changement de la diversité fonctionnelle et l'uniformité. Nous avons démontré que la structure du paysage affecte fonctionnement écologique à travers les changements de diversité fonctionnelle, surtout ici, la productivité
selon les changements des espèces de plantes qui apparaissent dans la communauté. Pour conclure, les conclusions. Nous avons une grande diversité de plantes avec un fort potentiel. D'abord, l'utilisation d'habitats, c'est une première approche à la biodiversité. Mais si la structure de paysage n'affecte pas la diversité taxonomique, cela affecte la diversité fonctionnelle et cela résulte un changement dans le fonctionnement de l'écosystème. D'autres fonctions potentielles peuvent être corrélées par rapport à la structure de ces paysages, comme la pollinisation, la résistance au climat extrême, contrôle des nuisibles et la résilience face aux perturbations. Nous pouvons considérer l'effet du mapping de paysages, comme José l'a dit, pour la conservation. Nous pouvons ajouter des cartes fonctionnelles qui apportent une métrique complémentaire à travers la télédétection pour voir la composition au niveau des plantes. Un exemple de ces cartes apparaît ici. C'est un autre projet Interreg. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti. Très intéressant. Nous allons maintenant passer à l'intervenant suivant. Nous allons passer la parole à André Fonseca de CITAB de l'Université de Trás-os-Montes et Alto Douro du Portugal. André, vous avez la parole. Well, good morning, everyone. I think I can start now, I believe. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle André Fonseca et je fais partie de l'équipe du Portugal pour ALICE. Cette présentation est le résultat de l'étude que nous avons réalisée par rapport aux données de haute résolution, nous permettant de prédire les changements au niveau du climat. L'un des principaux objectifs était de développer les données de très haute résolution à partir de données compilées, et ceci prenant en compte les différents éléments climatiques, la température, la précipitation, ce qui nous permettrait de compiler plus de données car il nous manquait de la précision au niveau de la résolution. Ceci nous permet également d'atteindre des systèmes de soutien plus exacts pour améliorer la prise de décision. Tel que nous l'avons mentionné, les études de cas de ce projet rassemble 10 partenaires de 13 institutions de 5 pays et de 4 bassins versants. Bassin versant de Paiva, le bassin versant de Paz, Mieira et Anson, et le bassin de Coenon
et le bassin situé également au nord de l'Irlande, au Royaume-Uni, de Carlingford. Désolé pour la prononciation. Voici donc la mise à l'échelle de ces données pour la période de 1950 à 2018. Nous avons eu recours aux données du EOPS V20 avec une résolution spatiale de 10 km. Nous avons pris en compte la précipitation, la température minimale et maximale. Toutes ces variantes ont été utilisées pour toutes les études, excepté la précipitation, car la précipitation est utilisée à travers l'outil SPREAD sur 5 km qui prend en compte un réseau de stations météo qui nous a permis d'avoir des données très exactes. Nous avons donc extrait les données pour chaque cas d'étude avec une interpolation bilinéaire d'un kilomètre. Nous avons utilisé également une méthodologie OLS qui nous a permis de prédire la latitude, la distance. Et avec ceci, nous avons obtenu les données finales pour la précipitation, les températures médianes, minimales et maximales avec une résolution spatiale d'un kilomètre. Et voici donc un exemple pour le bassin versant de Paiva. Sur cette carte, vous pouvez voir la résolution, l'espace et le point final, la résolution finale, la résolution la plus élevée, et l'orographie complète, c'est-à-dire les fleuves et le relief également ont été décrits sur cette carte. Nous avons également utilisé les simulations d'ensemble Eurocodex. Nous avons pris en compte les incertitudes associées à chaque paramétrisation et les modèles climatologiques. Nous avons donc réalisé 5 paires de modèles, ce qui nous a permis d'aboutir à des données climatiques plus exactes avec une résolution spatiale élevée d'un kilomètre. Comme nous l'avons mentionné, nous avons utilisé 5 groupes d'ensemble et 2 scénarios RCP pour les. Nous avons donc le RCP 4,5 et RCP 8,5 pour établir des modèles. Nous avons également procéder à une interpolation bilinéaire de 12 km. Nous avons calculé également l'addition mensuelle et par année. Ceci, nous l'avons fait pendant 2 périodes de 30 ans, de 1981 à 2010 et de 2041 à 2070. Nous avons calculé les différences entre ces deux périodes pour les 5 groupes. Et nous avons réalisé une interpolation de données mensuelles à données journalières. Nous avons pris en compte la variation. Nous avons calculé la prédiction basée sur les données extrapolées. Ces données ont été rajoutées aux données historiques de 1980 à 2010 pour obtenir les données pour la précipitation et la température médiane, minimale et maximum pour tous les scénarios, c'est-à-dire RCP 4,5 et RCP 8,5, avec une résolution spatiale d'un kilomètre. Voici quelques résultats par rapport aux données climatiques pour toutes les études de cas avec les variations escomptées pour les différents scénarios RCP. Nous constatons qu'il y a une augmentation au niveau de la température pour les différents états d'étude, la température minimale, maximale et la température moyenne pour tous les cas, toutes les études de cas. Et nous avons également constaté des variantes entre le RCP 4,5 et le RCP 8,5 par rapport aux précipitations pour le bassin versant de la France et d'Irlande. Il y a une différence, une diminution. Et pour l'Espagne, il y a une augmentation, légère augmentation de la précipitation. Quand nous
quand ceci est comparé avec les données historiques. Mais il y a d'autres résultats qui peuvent être calculés, quoique ce ne sont pas à l'écran. La température, les températures extrêmes, également les variations saisonnières qui peuvent être étudiées de plus près pour mieux apprécier les différences climatiques. Voici les résultats pour la température, les variations de température. Nous avons donc calculé la température annuelle moyenne et les précipitations annuelles moyennes pour chaque étude de cas. Il y a une augmentation de la température pour tous les scénarios. Et bien sûr, nous constatons également une diminution de la précipitation pour le Portugal et pour l'Espagne. Pour les deux scénarios RCP, toutefois, la précipitation en France et en Irlande est assez constante ou légèrement supérieure. Désolé, je viens de passer la diapo. Bon, pour mieux apprécier, désolé. Voilà. Donc, l'avantage de ces modèles sont une meilleure distribution des modèles pour mieux calibrer les bassins versants et pour mieux établir le flux. Nous pouvons donc mieux appréhender la distribution spatiale, comme vous pouvez voir ici sur la droite. Et avec ceci, nous pouvons extraire des données pour chaque point du bassin versant et la température également pour une période de temps dans la calibration. Donc, la calibration a été faite sur la base de différents critères. Et le volume doit être inférieur à 10%. Le coefficient d'efficacité en dessous de 0,5 et le coefficient de détermination en dessous de 5. Le débit moyen annuel, nous pouvons voir, il y a donc moins de minéraux pour Portugal, Irlande. Nous avons des niveaux plus élevés pour dans la simulation. Entre les scénarios RCP, nous constatons qu'il y a en nord de l'Irlande et le Royaume-Uni, il y a une augmentation du débit dans le scénario RCP 8,5. Et nous pouvons simuler donc une plus forte précipitation dans le scénario RCP 8,5. Pour conclure, nous pouvons dire que lorsque l'on applique la mise à l'échelle des statistiques sur avec la prédictabilité, les relations de prédictabilité avec des modèles distribués comme le SPHI grec, nous pouvons donc fournir certaines prises de décision par rapport au comportement du climat. Merci, voici notre équipe. Merci de votre attention. Merci beaucoup, André, pour ta présentation. C'est formidable de voir tous ces efforts dans une seule présentation. Formidable. Et maintenant, nous allons avoir 15 minutes de pause pour le café. Et restez connectés parce que nous allons vous présenter quelques vidéos que nous avons préparées pendant le développement d'Alice pendant ces 3 ans. Alors, profitez de votre café alors que vous regardez les vidéos. J'espère que vous allez les apprécier. On reviendra ici dans 15 minutes, d'accord? Reposez-vous un peu et profitez des films. Merci.
Hey. Anyone is here? Hello.
Bonjour, nous allons arrêter la vidéo et nous allons passer à la deuxième session de la première journée du congrès Alice. Et maintenant, nous allons voir le thème vers la gestion intelligente des paysages. Notre première intervenante est Alba Márquez du BCC. Alba va nous parler de la modélisation des pâturages et de l'élevage. Alba, c'est à toi maintenant. Tu as déjà ton écran qui est prêt. On va commencer avec ta présentation, si tu le veux bien. Oui, bonjour. Je m'appelle Alba Márquez et je vais vous présenter l'adaptation du modèle Puerto écrit dans la langue R par K-Lab, un système interopérable et accessible. Le modèle Puerto a été développé au Centre de recherche agricole. Alba, il faut partager l'écran et nous montrer ton écran et pas le streaming sur YouTube, s'il te plaît. Ça marche. Le modèle Puerto a été développé au Centre de recherche agricole et formation de Cantabrie par le docteur Juan Busquet. Ça fait partie d'une recherche sur la structure, croissance et utilisation des pâturages sur la façade cantabrique. Puerto est un modèle dynamique empirique basé sur les relations biophysiques établies entre le cycle de vie de la végétation, le processus de pâturage, ingestion, digestion, excrétion et changement de poids des animaux et le cycle d'azote. Tout cela sous l'influence des conditions climatiques. La raison d'intégrer cela, c'est que dans les différents modèles que nous avions à construire, le Puerto répond aux trois modèles terrestres en même temps. Et Puerto a été construit pour les systèmes d'agriculture extensive, ce que nous avions aussi dans nos études de cas. Pourquoi Puerto et K-Lab? Même si la disponibilité et l'utilité ont été validées et améliorées avec le temps, ce modèle est inaccessible pour les spécialistes non programmateurs et pour les gestionnaires du sol qui doivent dépendre de l'assistance technique. Puerto a été utilisé en isolation sans contribuer au modèle complet de computation et c'est une des limitations du projet Alice, l'interaction entre les modèles. Nous lisons le type de langage du K-Lab. À gauche, vous voyez le workflow de Puerto Model, le modèle, ce qui est composé de 1500 lignes de code. Des limitations, c'est que c'est monolithique, c'est lourd, ce qui fait que c'est difficile à comprendre. L'interface du modèle n'est pas conviviale, seulement utilisée par les utilisateurs avancés. Il manque de transparence dans la définition des paramètres multiples, il y a un manque de sémantique et il y a plein de sigles. Une autre clé, c'est de trouver les bons critères.
que les modèles soient plus accessibles pour les fermiers et les gestions. Les données sont trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. L'adaptation de Puerto, c'est que cela fonctionne sous le plateforme open source KLab et sous KM annotation sémantique et le langage mode de modélisation. Le nouveau Puerto, ça fait partie de Aries, une plateforme open source pour les modèles et les données interopérables pour la communauté multidisciplinaire afin de résoudre pas mal de problèmes de durabilité et de pérennité. L'adaptation de modèle Puerto KLab est ouverte et en ligne en preprint. Pour l'adaptation de Puerto, d'abord, nous avons reconçu l'ancien workflow dans les différents modèles sous 10 noms d'espaces thématiques qui décrivent les interactions entre la végétation, les animaux et leur environnement, comme on voit à gauche. À droite, vous pouvez voir une partie du code KIM dans le K-Modeler. Les différences entre les deux types de code sont claires. Le code en R est basé sur les paramètres et les variables écrites comme des acronymes, pas compréhensibles sauf par l'auteur. Le code sémantique de KIM est parfaitement compréhensible même pour une personne non spécialisée parce qu'il y a des noms de variables qui s'expliquent elles-mêmes. Le modèle KLab peut fonctionner indépendamment, alors que pour le R, c'est impossible de faire tourner seulement une partie du modèle parce que c'est très monolithique. Et il faut pour les 1400 lignes du code pour cela. Le nom d'espace est composé de différentes composantes du modèle qui décrivent un concept dans, chacune dans la structure logique pour un total de 198 modèles qui sont cohérents, logiquement, autocontenus et qui peuvent fonctionner indépendamment, alors que la structure monolithique de Puerto ne le permettait pas. Caractéristiques. Ce modèle génère des outputs explicites spatialement dans les échelles spatiales et temporaires. Données open source de l'échelle globale à la locale avec différentes temporalités. Et il y a des éléments comme la texture du sol qui sont introduites. La sémantique sont utilisées pour annoter toutes les ressources et les composants du modèle en utilisant un vocabulaire connu. Les modèles sont interopérables et indépendants. KLab fonctionne sous intelligence artificielle avec le machine reasoning, raisonnement machine. La modélisation est modulaire, parcimonieuse et logique. Les connaissances contenues dans les ressources sont non ambiguës et beaucoup plus transparentes et on peut les partager. C'est accessible pour les non-techniques. Il y a différents modèles open source, des algorithmes et des résultats spatiaux très importants pour les gestionnaires de pâturage. Alors, je vais souligner le composant KA Explorer. Les modèles, algorithmes, sources de données, résultats décrits sont accessibles pour les non-techniques à travers ce moteur de recherche dans l'environnement KLab. Il y a une amélioration par rapport au modèle précédent qui était seulement disponible pour les modéleurs techniques qui connaissent bien le langage de programmation R. Les résultats de Puerto apparaissent dans les tables R associées avec chaque unité de gestion des pâturages. Ici, un exemple. Ces quatre cartes générées dans le KLab montrent la même information que la table R, mais en ajoutant une information essentielle comme la distribution spatiale des résultats, ce qui aide les parties prenantes à interpréter et prendre des décisions. De plus, seulement le développeur du code sait quels sont les acronymes utilisés pour identifier les outputs du modèle. Par exemple, dans la deuxième colonne, c'est le code de la végétation principale. Les sources de données, les algorithmes utilisés comme inputs pour les résultats sont générés automatiquement et sont disponibles publiquement et on peut les télécharger comme la carte des outputs. Une autre amélioration, c'est la dynamique du workflow. À droite, les figures montrent un data flow interactif que nous avons vu tout à l'heure et à gauche, le data flow interactif de KLab. C'est dans le fichier. Nous avons changé le modèle.
Ici, on voit tous les modèles et les dépendances. En cliquant sur chaque data flow, on voit plus d'informations qui décrit les ressources, informations de base sur la source de données. C'est basé sur les métadatas apportées par les utilisateurs qui ont déjà apporté des ressources de données dans le réseau K-Lab, y compris les liens qui remontent vers la source de données originale. Pour les tables, chaque composition de table est, dans le cas des modèles paramétrisés, l'expression ou l'algorithme utilisé. Enfin, un rapport papier est créé en collectant la documentation de chaque modèle, en adaptant le calcul des résultats. La documentation de base sur chaque composant du modèle est saisie par chaque contributeur au modèle de K-Lab. Ce système de reporting complète le graphique de workflow. Le système est ainsi transparent et fiable. Le rapport suit la structure standard d'un article scientifique. Par exemple, introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion et référence. Il peut inclure des tableaux, figures et autres éléments en fonction du modèle et on peut les télécharger en format PDF. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Alba. Présentation très intéressante sur les pâturages. Nous allons maintenant passer la parole à Alexia Maria González Ferreras, qui travaille pour l'Institut hydraulique environnemental de la Cantabrie. Elle va parler des modèles développé pour les services écosystémiques et la biomasse. Vous avez la parole. The first one is the current situation. The second one is in the future, like a business as usual, the BAU scenario. And the third one is an implementation of blue-green infrastructure networks, so the BGIN scenario. As I mentioned in the previous slide, we are going to analyze the four case studies of Alice projects. Several speakers have been talking about this, so I'm going to say only the main difference between them. So there are differences related to the pressures or the topography. For example, the Spain's catchments are located in a coastal and mountain area where the principal pressures are related to fire, overgrazing,
and also hydraulic infrastructures in the river. The France catchment are located in a more flat area where the main pressures is related to agricultural practice. The Portugal catchment is mainly affected by urban areas, and also there are a huge extension of eucalyptus forests. And finally, the North Ireland catchment is also affected by urban and agricultural practice. So here we are going to follow the model integration followed by the ALICE project. So specifically, we are going to focus in the biophysical models part and also in the results. So our objective is to get the values or the variables related to fish biomass and water quality. And to do that, we are going to follow a multimodal approach framework. So in the first place, we use several climate and land use land cover variables that were implemented in a hydrological model and a water temperature model, which results altogether with several variables like barriers, effluents, and so on, were also used as input in several Bayesian belief networks to get the outputs, and also these same outputs were used like inputs, and at the end we get the fish biomass and also different water quality variables. Here we are going to focus in five variables that are the water temperature, the load of solids in suspended solids and nitrates and phosphates, and also the percentage of the relative abundance of EPT, that is Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera taxa. And finally, in the fish biomass. So also we are going to focus in the three scenarios. So these are the first results related to water temperature, where we can see the different values in the first case studies related to average summer's water temperature. And here we can see that in the first case studies, the temperature in the bow scenario is higher regarding to the current scenario. France and Portugal are the catchments with the higher temperatures, but Spain and North Ireland are the catchments where this increase in temperature is higher. In France, North Ireland, and Portugal, we can see how the Beijing and Bow values are equal or the same. This is because this variable depends on air temperature and forest. And in these three case studies, the increase in forest for the Beijing scenario is less than 2%. So the change are not notorious for this catchment. But in the case of Spain, we can see that the increase in forest in the Beijing scenario is higher. In some of the subcatchment analyzed, is more than 40%. So as the water temperature depends on the forest, we can see how the average summer water temperature in the Beijing scenario decreases regarding to the Bow scenario. And in some of the points analyzed, this value is until 30% of the grass. So it's a very important variable, the forest, since this damping the water temperature of the river. So here we can see the results related to water quality, analyzing the loads of phosphates, nitrate, and suspended solids in low flow, so in summer. We can see that in the mouth or lower part of the catchment, there are a high water quality. Well, in the middle and headwater parts of the catchment, there are more medium water quality. In all the catchment, in the headwater, regarding the three scenarios, is more or less stable or equivalent the water quality. But in the case of Spain, when in headwaters and Beijing and Bau is more forested, we can see how the water quality improves.
And finally, we are going to analyze the Salmonids biomass. When we say Salmonids biomass, we refer to the biomass of adults that are together the trout and salmon species where is present. And there are three classes, high, medium, and low biomass. And these variables depend on the channel width, the barriers present on the river network, the water temperature, and the O2 concentration. Here we can see a similar pattern for the four case studies where the high biomass is avec la biomasse supérieure est présente dans l'axe principal, la biomasse moyenne dans la moyenne partie du bassin versant, parce que la biomasse est représentée par les grands individus et il faut de l'espace pour plus d'habitat qui est trouvé dans l'axe principal. L'Espagne et la France donc a présenté certains cas d'études et présentent plus ou moins plus grand nombre de biomasse. En Irlande du Nord, il y a une classe moyenne. Le Portugal présente la grande majorité de ses réseaux avec une biomasse faible. Par rapport au BAO, nous devons analyser seulement le cas du Portugal, de la France et des bassins versants. Lorsque nous analysons la température de l'eau, ces bassins versants représentent les valeurs plus élevées de température. Et c'est la variable plus importante pour la biomasse de salmonidés. Ici, dans ce cas, nous pouvons voir que, aussi bien dans les scénarios B, Gin et BAU, la grande majorité de biomasse de salmonidés sont dans la classe moyenne. Donc, la biomasse est considérablement réduite par l'augmentation de la température d'eau et par la concentration de O2. Donc, en guise de conclusion, pour dire que la biomasse de poissons et la qualité d'eau sont impactées par les changements d'usage de territoire et du climat. La mise en place des trames vertes et bleues peuvent améliorer l'intégrité écologique et réduire les effets du changement global. Et les résultats sont très utiles pour mieux comprendre et appréhender l'implémentation des trames vertes et bleues pour la conservation et la gestion du territoire. Merci. Merci de votre attention. Merci Alexia pour ta présentation très intéressante. Fernando Villa, Stefano Balbi du BCC. Vous allez présenter Stefano? Très bien. Je vais vous laisser maintenant. Hello. Bonjour. I guess everybody is hearing. J'imagine que tout le monde m'entend. Je m'appelle Stefano Balbi. Je suis chercheur au Basque Center for Climate Change, Centre basque du changement climatique. Je vais vous présenter notre travail dans l'équipe ARIES. Vous m'entendez? Oui? Parfait. Excusez-moi. Merci. Merci à tout le monde. Merci de nous écouter en direct. J'aimerais exprimer ma gratitude aux interprètes qui font ce qu'elles peuvent pour traduire des personnes qui ne sont pas des anglophones de nature et de naissance. C'est difficile. Je vais vous parler de la modélisation et l'interopérabilité avec le K-Lab. Depuis le début du projet,
Nous avions en tête de travailler avec des services écosystémiques multiples et des modélisations multiples. L'idée d'avoir une plateforme multimodèle et différents problèmes à modéliser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui un planning intelligent des solutions basées sur la nature ? Mesurer l'impact des BEGINs, ça c'est important, avant de les mettre en œuvre. Les BEGINs sont très utiles, certes, mais il y a des inconvénients au niveau des systèmes socio-écologiques et il y a des compromis à prendre en compte. Et il faut voir quelles sont les conséquences estimées en utilisant les BEGINs. Et pour le faire, il faut utiliser des modèles de simulation des différents composants. C'est ce que nous allons faire dans notre pacte de travail. L'objectif, c'est d'utiliser toutes les modélisations du projet et les mettre dans une seule plateforme de simulation qui est K-Lab. C'est ce que je vais vous expliquer. Je vais vous parler de la partie simulation. Il y a aussi un composant très important sur l'implication des différentes parties prenantes et le modèle des composants du système, les différentes perspectives et les valeurs sur BEGINs. Mais il y a des collègues qui parleront de tout cela plus tard. Donc, je vais me concentrer sur la partie du modèle K-Lab. Nous avons utilisé la narrative des services écosystémiques pour nous référer au fait que nous adressons à des systèmes écologiques où il y a des composants sociaux, naturels, biologiques, etc. Alice est née avec cette idée. Aborder différents royaumes, les rivières, l'écosystème terrestre et les estuaires. Pas seulement d'avoir une partie écosystémique représentée, mais aussi la partie sociale qui serait représentée également pour capturer tous les services de la nature, tous les bénéfices que la nature apporte aux sociétés humaines. Les sociétés humaines coproduisent des bénéfices, mais elles produisent des effets secondaires par rapport à la nature, comme nous le savons tous. L'idée ici, c'est qu'il n'existe pas une seule approche pour modéliser tout. Il nous faut une interopérabilité, différents composants de modélisation pour représenter cette complexité. Et comment faire? Nous avons une longue histoire d'application de l'intelligence artificielle avec le machine reasoning et la sémantique web. La sémantique sert à expliquer et définir les modèles dans un système machine à double voie. Et le machine reasoning, c'est pour composer les composants du modèle de telle sorte que l'on puisse répondre aux recherches de l'utilisateur. C'est une combinaison ou un assemblage de tous les modèles qui peuvent servir à répondre à une recherche de l'utiliser. La sémantique explique à la machine quels sont les modèles. Et de l'autre côté, nous, on a les machines qui composent les modèles machines pour répondre aux recherches de l'utilisateur. Donc, on produit des cartes modélisées, mais des rapports aussi. Et nous documentons tous les workflows de modèles, comme Alba vous a montré tout à l'heure. Voici le problème. Modéliser tous les composants d'un écosystème. Et comment on l'a fait? On a commencé avec des modèles préexistants que nous avions dans notre portefeuille. Récréation, protection, inondation, carbone, tout cela, nous l'avions déjà avant le projet. Et ensuite, on a développé d'autres modèles orientés par les données autour de la production agricole, les feux, probabilité de feux,
Nous avons développé d'autres modèles spécifiques pour le projet Alice. Par exemple, ce que Alexia vient de présenter, en général, tout est lié à la qualité de l'eau, la partie pêche, azote solide, concentration d'oxygène sur la base d'un certain nombre de bases de données spécifiques pour la qualité de l'eau et la quantité de l'eau. Nous avons remis en œuvre les modèles existants. Ça, c'est le K-Lab que Alba vous a expliqué tout à l'heure. Et il y avait d'autres modèles comme la température de l'eau et l'érosion. Nous les avons liés au modèle qu'on avait déjà sur K-Lab, input-output. Ce sont des modèles couplés. Il y a différents modèles différents qui se rejoignent dans une seule plateforme. Le message de ce slide, c'est qu'on a entre 15 et 20 variables entrantes et nous avons pu résoudre 4 outputs uniques de différents types d'outputs que j'ai montré tout à l'heure. Nous avons couvert pas mal de choses, comme vous le voyez ici, concernant les variables climatiques. Nous avons pris en compte la précipitation et la température pendant les saisons différentes. Nous avons considéré différents scénarios de l'IPCC, et surtout celui de 2005, pour 2050 avec de fortes émissions. Pour la couverture terrestre ou du sol, on a simulé 8 classes dans le temps. Par exemple, les classes de couverture du sol, bon, on en a pris 8. Hein. Nous avons pu expliquer pas mal d'autres choses avec ça. Il y a d'autres variables clés pour les réseaux fluviaux et des variables pour la température de l'eau et l'hydrologie, et aussi des variables spécifiques pour les estuaires. Et avec tout cela, toutes ces variables, voilà les variables principales qui nous permettent d'expliquer la dynamique et la complexité dans un système socio-écologique, dans les 4 études de cas du projet Alice. Voici des résultats. À gauche, en haut, vous avez le Portugal avec la cache-charge en suspension. En haut à droite, la concentration dans le cas français. En bas à gauche, la recréation de la carte du cas de l'Irlande du Nord, et en bas à droite, le risque d'inondation dans le cas portugais. Voilà un cliché général, un panorama des cartes qu'on a pu modéliser et des résultats et des outputs produits pour chacun de ces cas avec le K-Lab. C'est une technologie composée d'un grand nombre d'ingrédients. Il y a des messages clés à transmettre. Ça s'appelle le K-Modeler. Ça existait avant le projet Alice. Mais on a un système convivial et une interface très intéressante pour l'utilisateur. Alice a été instrumentale pour développer le K-Explorer et son interface utilisateur qui permet aux gens d'accéder aux résultats de modélisation d'une manière très conviviale. Ici, j'explique la possibilité d'utiliser le K-Explorer. Vous pouvez vous enregistrer sur le Hub et vous pouvez les tester. Regardez en bas, il y a les adresses mail. Vous avez une connexion. Voilà ici. Vous enregistrez, vous pouvez le tester. Nous avons une interface utilisateur qui est basée sur une barre de recherche où vous pouvez entrer vos recherches, saisir les services écosystémiques qui ont été prédéfinis. Vous pouvez les trouver là. C'est une façon très intéressante. C'est la première web sémantique
avec des connaissances scientifiques intégrées. J'aimerais parler un petit peu des modèles donnés. C'est des modèles qui sont utilisés souvent dans ce projet. Ces modèles orientés données, ça veut dire que c'est une IA à partir des données du machine learning. Ici, vous voyez une classe typique de classification machine learning. Et le fait qu'on ait un moteur de machine learning complet, c'est complètement intégré dans le K-Lab, dans ce logiciel K-Lab, ce qui fait que la génération du modèle machine learning est très facile à mettre en place. On peut faire ceci d'une manière explicite. On peut déclarer la création d'un modèle, par exemple, pour l'écologie et la biomasse des arbres, pardon. Et on dit, je veux modéliser la biomasse des arbres en observant un certain nombre de variables explicatives. Et pour chacune des variables, le système prend le modèle qui résout. On a des couches spatiales, l'élévation, différents éléments sont analysés. Le modèle est créé automatiquement. Lorsqu'on construit le modèle, nous avons un réseau qui est généré et qu'on peut modifier en fonction des connaissances. On peut modifier la structure, mais aussi la probabilité, etc. C'est un outil très puissant pour développer de nouveaux modèles. Ils peuvent être utilisés pour généraliser les patterns, les patrons que l'on observe souvent. Et enfin, je vais partager les références principales. D'abord, les modèles globaux qui sont disponibles à Aries avant le projet. La méthodologie du machine learning pour apprendre des données. C'est les machines qui apprennent à partir des données de services écosystémiques. Et si vous voulez connaître davantage cette technologie, visitez notre site web integratedmodeling.org. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Merci Stefano. Merci de votre présentation très intéressante. Nous passons maintenant à la dernière présentation de la journée. Nous avons Ignacio Pérez Silos qui va nous parler de comment mettre en place les BGINs, la conception des BGINs. Merci de votre introduction. Bonjour. Je vais aborder le cadre conceptuel de modélisation que nous avons mis en place dans le contexte de LIS afin de construire les trames bleues et vertes. Donc, le concept de ces trames vertes et bleues est assez ambigu. Donc, je voudrais commencer en définissant le concept de ces BGINs dans le cadre d'Alice. Le BGIN est un instrument d'aménagement du paysage. Toutes les propriétés sont utilisées pour décrire le zonage et mieux appréhender la gestion de nos écosystèmes. Pour cette raison, nous avons trois caractéristiques majeures. Tout d'abord,
que cette nature bleue verte soit créée par des solutions de base naturelle, c'est-à-dire les habitats naturels, les propriétés naturelles, afin de pouvoir régler certaines questions environnementales des bassins versants et pour également être multifonctionnel, c'est-à-dire répondre à une liste assez large de services écosystémiques et également pour, afin d'assurer une cohérence spatiale, une connectivité non seulement sur la base de la biodiversité, mais également sur la base d'une connectivité fonctionnelle entre les différents éléments. La rationalisation qui sous-tend ces BGIN est la suivante. Pour des services écosystémiques, il y a dans le paysage différentes zones qui fournissent ces services écosystèmes. L'habitat va gérer la qualité de ces services et certains services sont non existants, donc réellement le service offert est assez faible dans ce cas. Mais également, d'autre part, nous avons d'autres zones dans le paysage qui fournissent des services écosystémiques car les fonctions offertes par les habitats fonctionnent correctement. En tant que concepteur de ces trames vertes et bleues, nous essayons de d'encourager ces services écosystémiques en analysant les zones qui ne fonctionnent pas pour essayer de restaurer et pour récupérer les habitats qui nous permettent de fournir ces services écosystémiques, mais également pour protéger les autres zones qui fonctionnent correctement actuellement pour les préserver et pour qu'elles continuent à prêter ces services écosystémiques à l'avenir. Ces zones gérées que nous appelons des hotspots fonctionnels font partie d'un contexte plus large dans lequel nous créons des réseaux avec les différents éléments qui font partie du BGIN. Il est important de voir quels sont les objectifs des systèmes écosystémiques, car ceci va nous permettre de voir quelles sont les zones à protéger et à préserver. Il n'y a pas qu'un seul BGIN pour les territoires, car ces BGIN vont dépendre des objectifs spécifiques pour lesquels nous allons concevoir ces infrastructures, ces trames vertes et bleues. C'est pour cela qu'il est important d'inclure les processus participatoires en incluant des acteurs locaux, non seulement au niveau de la prise de décision, mais également pour voir quels sont les scénarios à proposer aux différents interlocuteurs et que ces scénarios s'adaptent mieux à ces groupes, aux groupes concernés. Donc, après cette brève introduction, je vais vous présenter comment nous mettons en place cette méthodologie dans le cadre de ALICE, en utilisant en guise d'exemple notre étude de cas espagnole. Comme vous pouvez voir sur cette feuille de route, nous avons organisé des ateliers avec les différents interlocuteurs en évoquant les différentes phases. Dans un premier temps, nous avons établi
les principaux objectifs de nos BEGIN. Dans le cas de l'Espagne, le BEGIN visait à améliorer la régulation des services écosystémiques pour éviter l'érosion, la perte du sol, la qualité du sol, également protéger le territoire des inondations et également les protéger des risques d'incendie. Lors de cette phase, première phase, nous avons appréhendé les différentes solutions et pour ces solutions basées sur la nature qui sont en lien des processus physiques que nous analysons. Nous les avons également mises en œuvre dans notre étude de cas. Dans le cas de l'érosion, par exemple, aussi bien pour les forêts sur les flancs de montagne, ces forêts évitent l'érosion du sol. Et nous utilisons également la forêt riparienne qui nous permet de filtrer les sédiments qui vont aller se déverser dans la rivière. Après avoir effectué cette première analyse avec les agents concernés, nous avons essayé de modéliser les processus physiques que nous souhaitons améliorer et les solutions basées sur la nature associées à ce processus physique afin de mieux identifier au niveau du territoire les différents hotspots à restaurer ou à préserver. Ici, en rouge, vous pouvez voir des zones où nous identifions des zones à forte érosion, où il faudra donc adopter des solutions basées sur la nature pour régler ce problème. Et également, nous avons d'autres zones en vert et donc la zone est protégée de l'érosion. Et nous essayons de préserver ces zones pour une meilleure conservation. À la fin de la phase de modélisation, il faut établir certains seuils pour les processus physiques afin de sélectionner les hotspots de ces BEGIN. Et pour cette phase finale, nous avons analysé la connectivité qui nous permet de trouver les liens entre ces hotspots et les inclure dans la conception de ces trames vertes et bleues. Et à la fin, ce que nous prétendons, c'est d'unir ces différentes zones et les inclure dans nos scénarios afin de simuler l'évolution du paysage vers l'avenir, donc vers l'horizon 2050. Et avec cette simulation, nous pouvons voir les changements au niveau du paysage et également nous allons voir quels sont les changements qui s'opèrent en raison des pratiques de gestion et des solutions qui relèvent de notre étude de cas. Voici donc la méthodologie que nous avons mise en place dans le cadre d'Alice. Et pour finir, je dirais que les méthodes appliquées dans chaque étude de cas sont similaires. Les scénarios de BEGIN sont assez différents entre les différentes études de cas, non seulement sur la base des pourcentages de terres, territoires inclus, mais également en raison du fait que les différents types de stratégies et les solutions basées sur la nature qui sont utilisées. Ceci nous permet d'appliquer ces instruments de façon très flexible. Cet instrument peut s'adapter facilement à différentes situations, différents paysages.
et aux différentes réalités. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le suivant. Ce que nous avons conçu, c'est un BEGIN utopique, car nous avons essayé de maximiser les cibles en système de services écosystémiques, mais sans prendre en compte son impact sur d'autres usages du sol. Donc, afin de mieux mettre en place les différentes applications, nous avons besoin de prendre en compte les différentes relations entre les services écosystémiques que nous prenons en compte, les compromis, les synergies, afin de mieux identifier les différentes zones de mise en place de ces instruments. Merci de votre attention. Merci. Merci, Nacho, pour ta présentation si intéressante. C'est bien de combiner tous les BEGINs avec les études de cas. Merci beaucoup de nous avoir montré tes résultats et tes constats. Et maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons 5 ou 6 minutes de retard, ce qui n'est pas mal, parce que nous avons vu tous les problèmes techniques que nous avons eus afin que tout le monde soit bien connecté et pour qu'il y ait la traduction dans 3 langues différentes. J'aimerais remercier les ingénieurs techniques que nous avons ici, toutes les personnes qui sont ici, qui sont ailleurs et qui rendent cet événement possible. Et maintenant, nous allons passer aux questions, à la table ronde et le débat. Si vous voulez participer, si vous avez des questions, des impressions, des réactions, je vous demanderai d'utiliser le chat et nous allons poser les questions aux différents intervenants de la journée. Donc, je vais lire les questions. Nous aurons la traduction simultanée et nous entendrons les réponses des intervenants. Y a-t-il quelque chose dans le chat? Merci, Pepe. J'espère qu'il y aura une discussion. Nous allons envoyer des commentaires dans les différentes langues du chat. J'espère quelques questions aussi. Lorsqu'on essaie de mettre sur un tableau, non, je ne parle pas des résultats. Nous avons beaucoup entendu parler des résultats. Je parle de des complexités de l'intégration des données. Nous avons des modeleurs qui parlent des dynamiques, des patterns de diversité, le climat, les services écosystémiques. Et tous les aspects liés au paysage à différents niveaux et ce que font les modélisateurs. À la fin, Stefano et les gens de ARIES et BC3 nous ont parlé des données et de l'intégration des modèles. J'aimerais poser une question à Pepe, qui est le coordinateur de tout ce projet. Et nous avons tous travaillé dans presque tous ces domaines, mais ce n'est pas une modélisation intégrative, mais une vision intégrative. Quel est le degré de complexité de l'intégration des données, des modèles, des personnes, des perspectives et des parties prenantes? Cela semble simple, mais ce n'est pas simple. C'est assez complexe. C'était un des objectifs principaux et une des principales complexités du projet. En quelle mesure c'est simple ou c'est complexe? Pepe, qu'est-ce que tu en penses? Et les participants peuvent
aussi peuvent intervenir. Voilà la question ouverte pour cette discussion. Oui, José? Je crois que c'est une belle, bonne question, José. Je crois que c'est une des leçons que j'ai apprises, un des enseignements. Nous apprenons tous à travers Alice de la manière la plus dure. Sincèrement, un des éléments les plus difficiles, je sais que l'intégration des modèles est un cauchemar et peut-être que Stefano peut parler de ça, parce que je sais que ça a été assez délicat, difficile. Nous avons beaucoup souffert depuis quelques semaines et mois pour obtenir ces résultats. Mais à part cela, c'est un énorme effort. Et à part le développement des modèles, à part la participation des parties prenantes, un des éléments les plus importants pour moi, et c'est bon en fait d'avoir un grand projet très compliqué, c'est d'essayer de combiner les visions qui sont générées par différentes localités et les différentes expériences de chacun. C'est vraiment difficile, c'est mon avis, d'avoir un langage commun. Est-ce que le sens derrière le mot « eau », ça peut avoir des connotations très différentes selon les pays, selon les mentalités, selon les professions. Le mot « eau » n'est pas le même. Pour un écologiste, l'eau est différente que pour un biologiste. Et en Irlande du Nord et ici, on ne comprend pas le mot « eau » de la même manière. Donc, il faut passer beaucoup de temps ensemble. On doit passer beaucoup de temps à parler, à partager, à échanger, à communiquer. Je crois que Alice a été formidable pour cela. C'était un problème. Bien sûr, c'est de ne pas avoir un congrès présentiel à cause du COVID. Mais on a dû toujours se mettre en lien avec des systèmes de communication différents. Et il faudra se voir à un moment donné. Mais l'intégration des visions des communautés humaines, cela est vraiment important pour être capable de parler le même langage. Il faut passer beaucoup de temps à échanger et en ce temps compliqué, nous avons besoin de ce temps. On a besoin de temps de qualité pour pouvoir communiquer sur ces problèmes importants. Les sociétés humaines ont un énorme défi. Si elles veulent continuer à survivre sur Terre de manière durable. Ça, c'est ma vision personnelle, mais je serais enchantée de voir l'opinion et les questions d'autres personnes. Pour moi, c'était l'enseignement principal de ce projet. Honnêtement, j'ai beaucoup appris de nos collègues. Et aussi, j'ai beaucoup appris au niveau technique. C'est le meilleur message à garder. Cette vision holistique et complète du projet qui m'a beaucoup appris. Oui, si quelqu'un veut intervenir, Stefano, Thomas, Fernando, José, Sandrine, André, Alexia, si vous avez d'autres idées, d'autres pensées à partager? Oui, j'aimerais un Ferdinando. Comme d'habitude, je ne connais pas tout le monde, mais je voudrais ajouter à ce que disait Pepe. D'abord, nous devrions bien nous traiter. Comme a dit Pepe, l'intégration est vraiment une tâche difficile. C'est même un cauchemardesque. Et cela ne doit pas être cauchemardesque, mais dans ce projet, c'était les premières étapes qui étaient compliquées. Aucun des modèles que nous connaissions n'ont une culture d'intégration, parce que chacun fait ce qu'il avait à faire de son côté. Il n'y a pas une manière facile de mettre en œuvre l'intégration jusqu'à présent. Donc, nous avons apporté le K-Lab pour résoudre cela, au moins pour mettre en place une stratégie qui n'est pas parfaite, certes, mais c'est un début. Et nous avons eu une pandémie au milieu de tout cela. Alors, travailler dans une pandémie, c'est complexe. Sans le contact humain, pour partager les langages. Mais je pense que c'est bien que nous ne parlions pas tous la même langue. Il faut qu'on se comprenne, mais chacun son langage, afin de construire une stratégie commune. Mais nous devons nous rappeler que dans une situation comme celle-ci, enfin, il y a 10 ans, on aurait pu faire
tout ce que l'on veut, mais maintenant, on est fatigué des réunions Zoom et de tout cela. Mais on doit reconnaître le fait que cela a beaucoup freiné les progrès qu'on aurait pu réaliser. Mais c'est une situation compliquée pour tous. Je suis quand même positif sur le fait d'avoir eu la possibilité de continuer à avancer et déjà voir le premier jalon, les premiers résultats avec d'autres collaborateurs. Mais concernant l'intégration, c'est bien d'avoir ces ressources. C'est très, très, très difficile à faire cette intégration. On n'a pas été formés pour ça. Il n'y a pas eu d'intégration dans les projets jusqu'à présent. Alors, ce que nous avons fait, c'est le début d'une nouvelle vision de la collaboration, une nouvelle manière de considérer la science multidisciplinaire et intégrée. Il y a eu des tentatives passées le long de ma carrière. Ça a toujours échoué. Je pense que cette fois, ce n'est pas un échec. J'aimerais vous remercier pour cela. Nous avons quand même tenté de faire quelque chose. C'est déjà un bon début. Nous avons atteint de très bons niveaux d'intégration. On devrait être fiers. Moi, j'ai vécu 15 ans aux États-Unis. C'est une vertu, en fait, d'être fier de nous-mêmes et de nous féliciter parce que c'était une tâche extrêmement difficile et nous avons fait du bon travail. Ah, il y a quelqu'un qui applaudit. C'est dans la salle, c'est dans la salle, les gens applaudissent. Stefano, Thomas, vous avez des questions, les autres? José Manuel veut dire quelque chose. Micro, s'il vous plaît. Merci pour ce travail. C'est un projet très intéressant, un grand défi pour tous. On peut parler de la perspective parce que c'est un défi. Il y a des horizons ouverts. Qu'est-ce que nous allons faire dans le cadre de Alice? Qu'est-ce que nous allons faire? Il va répéter la question. Francisco Martínez Capel de l'Université de Valence. Paco nous remercie pour ce projet et demande quels seront les prochains défis ou les prochaines étapes de Alice. José essaie de formaliser ça en tant que question. Quels seront les prochains défis dans le cadre d'Alice? On peut voir les intervenants, ce que vous avez à nous dire pour l'avenir. Ici, à Cantabria, et je vais résumer notre prochain défi, en fait. La plupart des résultats d'Alice vont faire partie d'un planning régional. C'est de bons résultats, parce que ça veut dire que la recherche et que Alice aura une traduction sur des plans de gestion dans les régions. Et ça, c'est formidable. Je crois que c'est un très bon résultat. Et nous allons travailler dans le prochain futur, dans les prochains mois, là-dessus, pour matérialiser les ressources que nous avons. C'est une énorme base de données et des articles. Et nous allons essayer de générer des statistiques. Il y a beaucoup, beaucoup de publications. Nous allons nous concentrer sur les statistiques, sur la compilation de tout cela dans les prochains mois. Que disent les autres intervenants? Oui, j'attends vos commentaires. Thomas, allez-y. Oui, je pense qu'un des défis qui nous reste dans le cadre d'Alice ou après, c'est de transférer ces connaissances, parce que nous avons produit beaucoup de connaissances, mais il faut le partager avec les parties prenantes, et une partie des parties prenantes. Et je crois que si nous voulons que cette politique soit bien acceptée,
et qu'il y ait des limitations économiques suggérées après Alice, ça serait mieux accepté si ces connaissances pouvaient être transférées aux habitants locaux, aux décideurs, pour sensibiliser les gens par rapport aux défis du futur. Il y a beaucoup de travail à faire du point de vue des scientifiques pour mieux communiquer ce type de résultats, parce que les publications scientifiques ne sont pas lues par les parties prenantes. Donc, nous devons transférer ces connaissances vers les parties prenantes d'une manière plus concrète, il me semble. Merci beaucoup, Thomas. Oui, les publications, ce n'est pas l'objectif principal de ce projet, c'est un intérêt, un projet de coopération, mais ce que nous voulions vraiment faire, c'est d'apporter des outils aux décideurs. Et il faut quand même continuer à faire du travail avec eux, parce que tous les résultats doivent être accessibles, mais pas seulement aux modélisateurs. Il faudrait que ce soit plus accessible aux décideurs. Mais nous avons fait un bon travail pour automatiser l'intégration des composants de la modélisation. Du point de vue de la modélisation, je crois que nous pouvons améliorer encore certaines parties. On peut incorporer les modèles qui sont couplés. Et la partie idéologique peut être mieux intégrée, température de l'eau, dans les modèles fluviaux, c'est beaucoup plus intéressant d'intégrer tout ça. Et nous ne sommes pas loin. On va terminer cette partie, je suis optimiste. À la vue de ces défis, ce que vous avez dit est très important. Nous avons essayé de démontrer que c'était possible. C'est vrai que nous avons fait très vite pour relever les défis. Et nous l'avons fait. Maintenant, il faudrait voir comment communiquer notre expérience et comment traduire tous ces résultats pour le rendre plus accessible aux décideurs. Thomas, je sais que vous avez été également très près des agences d'eau et je suis sûre que ceci va nous permettre de mieux y voir et voir quelle est l'information vraiment essentielle pour les parties prenantes et comment le fournir aux décideurs. C'est une partie très importante de notre travail. Il y a deux autres commentaires sur l'autre chat. Un des partenaires du projet d'Irlande, l'Irlande du Nord, vraiment nous félicite. Et le modèle d'intégration en Irlande du Nord, qui était de travailler main dans la main dans les services existants, nous a permis de voir des domaines qui demandent une plus grande intégration, avec bien sûr ses limitations. Tous les partenaires ont travaillé ensemble pour refléter le contexte. Ceci est indispensable pour les modèles intégrateurs, mais également pour la partie socio-économique que nous aborderons demain. Joseph Anton Morgi nous félicite également des progrès réalisés, progrès que nous vous avons livrés. Et il espère que cela aura une continuité. Et je crois que la partie des élus était assez satisfaite avec ces résultats. Donc, un grand merci. Il n'y a pas d'autres commentaires. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Oui, je voudrais simplement ouvrir donc le débat. S'il y a encore des commentaires. Nous avons des partenaires qui travaillent dans la partie paysage. Thomas a évoqué l'avenir. Nous travaillons avec ces patrons, les patrons que nous avons abordés, mais nous essayons également de voir comment ces patrons du paysage sont liés
avec les patrons, je lis aux patrons de biodiversité, comme vous l'avez dit. Également, l'équipe de la France a très bien travaillé très dur avec les prévisions réelles de biodiversité avec des échelles locales et en essayant d'appréhender ce qui se passe au niveau du paysage en termes de biodiversité avec des données sur place pour essayer de relier l'échelle du paysage avec la réalité. Quels sont vos rêves? Est-ce que vous pensez que nous pourrons donc progresser un petit peu plus lors de la relation entre ces échelles de biodiversité et les données que nous allons compiler? Oui, tout à fait, une question très intéressante. Moi, je crois, tel que je l'ai dit, la cartographie habitat, il y a peut-être une résolution trop faible pour bien refléter la réalité sur le terrain. Et il y a encore des progrès à faire dans le domaine de la biodiversité réelle, c'est-à-dire l'intérêt biologique qui n'a pas encore été fait au travers des données que nous avons collectées. Avec la télédétection, nous pourrions peut-être apporter un index supplémentaire, que ce soit en lien avec les groupes fonctionnels que j'ai mentionnés. Ceci pourrait se faire au plus près des intérêts en termes de biodiversité et pourrait également se faire en utilisant une combinaison de métriques qui nous permettrait d'apprécier la biodiversité réelle. Nous avons donc une étude faite avec Sébastien Rabinette et des collègues du CNRS afin de mieux appréhender les métriques qui nous permettraient de mieux refléter la biodiversité et valider ces métriques avec les données que nous avons collectées. Donc, je crois que la première phase serait la cartographie de l'habitat et cela représenterait un grand progrès. Et la chose positive, c'est que nous pouvons l'explorer à une échelle très large et c'est génial de pouvoir voir que cela a été fait. Toutefois, par rapport aux résultats, il faudra continuer sur cette voie et compléter ce travail avec d'autres métriques. Et ainsi, nous pourrions peut-être ajouter quelques métriques afin d'être plus précis et d'être plus précis dans notre appréciation. Oui, merci Sandrine. Merci. Il y a une autre question pour Ferdinand et pour Stefano. Quand vous avez parlé de l'intégration de modèles de Francisco Martinez Capel, qui nous dit que les progrès sont géniaux. Mais il y a une question par rapport aux techniques de modélisation, l'utilisation de CALAB par rapport aux autres plateformes en ligne pour la modélisation. CALAB nous semble très intéressant pour différentes raisons. Mais la question est celle-ci. Comment est-ce que CALAB pourrait aller un petit peu plus loin si nous comparons avec d'autres plateformes de modélisation? Quels sont les avantages? Est-ce que vous voulez vraiment une réponse à votre question? Oui, c'est une question, Ferdinand. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, mais quelles sont les autres plateformes de modélisation? Ce sont celles qui vous offrent un IPE pour vous offrir une modélisation. Toutes ces plateformes sont bonnes également, mais il n'y a pas d'autres plateformes qui nous permettent de réaliser ce niveau d'intégration. Il n'y a que CALAB qui fait cela. Bon, ce que nous ne téléchargeons pas ces modèles sur l'Internet, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres plateformes qui le fassent. C'est-à-dire, nous téléchargeons ces résultats et tout le monde a souffert la première phase d'expérimentation, bien sûr, mais comme l'on dit, souvent, l'intégration se fait dans les deux sens et il faut savoir ce qui est intégré et nous allons concevoir nos modèles sur cette base. Ce que fait CALAB, c'est créer un protocole pour faire ceci.
d'autres plateformes peuvent avoir des modèles sur Internet, vous pouvez cliquer dessus, mais c'est un concept différent. C'est la différence principale. Je ne sais pas si c'est celle-là votre question, mais si c'est une question par rapport aux opportunités, nous avons eu la présentation de Calab nous a montré ce que nous pouvons faire quand nous prenons un modèle qui est très difficile à interpréter avec beaucoup d'instructions. Nous le pouvons transformer, nous l'avons transformé dans de 12 petites déclarations au résultat qui sont beaucoup plus difficiles. Et alors le système peut choisir vraiment le résultat qui s'adapte le mieux pour les différentes études de cas. Et nous pouvons donc choisir un concept, l'intégrer sur notre machine et notre composante unique sera celle qui nous guidera. Ceci est assez innovant. Moi, j'ai fait partie de nombreux projets qui n'ont pas eu de succès à ce niveau. Il n'y a pas de comparaison. Ce n'est pas comparable. Souvent, on me demande qu'est-ce que représente ce modèle par rapport à cet autre modèle, etc. C'est une façon peut-être de faire en sorte que ces modèles soient plus durables et que nous soyons partie d'un écosystème plus large. Je ne sais pas s'il y a d'autres atouts. S'il y a d'autres atouts, ce serait génial de le connaître, mais ce n'est pas évident de comparer. Ce n'est pas comparable. Je ne pense pas que nous puissions comparer Calab avec d'autres plateformes. L'importance de Calab, c'est l'intégration plus que la modélisation, parce que la modélisation est une conséquence d'avoir pu intégrer les différentes données. Et c'est peut-être la réponse correcte, mais je ne sais pas si celui qui a posé la question a donné une réponse comme la mienne. Merci. Un grand merci, Fernando. Un grand merci de votre vision. Bon, c'est une bonne question pour clore la séance de cette matinée. Robin a demandé quels sont les clients pour les modèles. Quels sont les usagers finaux des applications qui ont été développées par Alice PP, est-ce que vous pouvez répondre et clore la séance de cette matinée? Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Nous avons suffisamment de modèles sur la table et mon avis, c'est que ceux qui s'intéressent à ce thème peuvent utiliser les différentes plateformes. Nous avons essayé d'intégrer différentes approches avec différentes stratégies de modélisation et différents outils, mais nous avons besoin d'être plus précis, c'est-à-dire voir comment cette information pourrait éventuellement répondre à toutes les attentes, c'est-à-dire les attentes des décideurs, des aménageurs, des consultants. Je ne sais pas si nous avons atteint cet objectif, comme je l'ai dit précédemment, mais comme vient de dire Fernando, nous avons progressé et c'est la voie à suivre. Et voilà, ce sont mes mots de la fin. Stefano, je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose. Oui, je crois que ce qu'il faut dire par rapport à ceci, c'est qu'il faut absolument démocratiser la science. La science doit être à la portée de tous les citoyens, bien sûr, à la portée des décideurs, c'est essentiel. Il faut, nous avons vendu, bien sûr, ce paquet de résultats, vous l'avez vendu aux décideurs de Cantabrie, de la Cantabrie, ils veulent utiliser la science pour prendre de meilleures décisions. Voilà tout. C'est donc une catégorie d'usagers, d'utilisateurs, mais peut-être dans la région de la Cantabrie, il peut y avoir d'autres personnes intéressées qui ont besoin de la science pour prendre de meilleures décisions. Et donc, le ciel est la limite. Donc, nous en sommes un peu à la même phase quand nous avons
de côté de l'encyclopédie et nous avons utilisé Wikipédia, par exemple. Donc, Wikipédia est une connaissance qui est à la portée de tout le monde. Dans ce cas, bien sûr, il s'agit de données scientifiques, de modèles. Mais moi, je crois qu'il s'agit donc d'une connaissance de très bonne qualité. C'est important de le dire. Et par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est important, c'est de démocratiser la science. En effet, l'un des usages de tout cela a été la participation des parties prenantes qui sont bien informées, qui vont pouvoir prendre des décisions à la suite. C'est un élément clé. L'information doit être fournie à tous les niveaux. Non seulement doit être fournie aux décideurs, mais également à d'autres parties prenantes. Maintenant, nous devons peut-être voir comment prendre les décisions. Hélas, maintenant, nous changeons de décideur tous les 5 ans, d'élu tous les 5 ans. Il s'agit plutôt, dans ce cas, d'un processus continu, c'est-à-dire que tout le monde soit mieux informé. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de fournir ces données. J'ai une question pour vous, Thomas. Le système de participation a été très intéressant. Donc, quelques propos pour clore. Comment a fonctionné le système d'atelier? C'est-à-dire, comment est-ce que Alice a pu contribuer à leur prise de décision? C'est une excellente question. Je tiens à dire que l'atelier final n'a pas encore été organisé, donc ce sera pour un peu plus tard, après Alice, mais nous avons eu des retours extrêmement positifs de la part de nos principaux partenaires. Il y a eu des sentiments contrastés, mais je crois que nous avons été à même de mettre sur la table des tendances, des thèmes importants. Et maintenant qu'ils connaissent mieux leur territoire, le paysage, ils doivent cibler les solutions, car ces évaluations ne s'adapte pas à tous les cas, mais bien sûr, nous avons une vision plus large de ce que pourrait être l'impact à l'avenir. Donc, il faut raffiner, il faut descendre à l'échelle pour voir quelles pourraient être les politiques à exécuter dans chaque cas. Mais je crois cependant que ce que nous pouvons déduire de tout cela, c'est que l'on peut mieux appréhender les changements climatiques et le dissocier souvent de l'évolution des services écosystémiques. Maintenant, nous pouvons donc mieux analyser quel est l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Et il est très important de le garder en tête et de mieux distribuer ses connaissances. Sens, c'est-à-dire pour avoir une vision plus intégrée de ces thèmes de base. Les parties prenantes visent souvent un seul élément, comme par exemple les ressources hydriques, et maintenant ils auront une vision plus large de l'impact de leur politique en matière de gestion du sol, comme par exemple l'impact sur la biodiversité, sur l'érosion du sol, etc. Donc, je pense que c'est un très bon point pour Alice. Merci, Thomas. Bon, nous devons donc stopper. Ah, maintenant, nous avons dépassé le temps qui nous avait été imparti. Donc, maintenant, nous allons clore la séance d'aujourd'hui. Je vous invite toutes et tous à nous rejoindre demain matin. Ce sera une matinée très intéressante car
nous nous pencherons sur l'évaluation participative. C'est une partie sociale très importante afin de pouvoir construire ces trames vertébrales, ces bégines. Nous parlerons également de l'application des bégines. Donc, je vous invite à nous suivre demain. Je ne sais pas si nous aurons donc différentes approches par rapport aux bégines. Nous aurons la conception de ces trames vertes et bleues. Beaucoup d'histoires très intéressantes demain. Un message très important. Nous commencerons à 10h20. Non, à 10h20, pardon. Nous allons... Non, pardon. Donc, un peu plus tard, à 10h20. Donc, nous serons là. Donc, je vous invite demain. J'espère vous revoir demain. Un grand plaisir de vous avoir à bord. Bon appétit à tous. Peut-être vous pourrez boire une petite bière ce soir. Un plaisir de vous revoir. À demain. Au revoir.